Et c'est dommage pour Sean Townsend, champion du monde en titre à cet agrès. On revient donc maintenant à la finale de cet engin, les barres parallèles, très spectaculaire avec Alexey ici. Ceci est le circuit audio 2 en provenance du centre nodal France 2. Ceci est le circuit audio 2 en provenance 9537. Et cinquième seulement. Voilà, alors donc, dans le direct, finale. Sale tourne sous équilibre, demi-tour. Salto bras tendu jusqu'à l'équilibre, double arrière groupé dans les barres. Ellie, grand élan. Demi-tour, sortir des barres. Placement. Et double arrière carpé. Très bel exercice d'Alexey Sinkevich. Et là, on va voir du très très haut niveau avec des Chinois qui ont réussi un exploit quand même, il faut le souligner. Il y en a deux sur les six qualifiés pour la finale. Absolument, ouais. Absolument. Et les deux, peut-être même aux deux premières places, ça c'est possible. Je n'ai plus en tête le classement des qualifications. Les deux aux deux premières places. Il faut dire qu'ils nous avaient produit un effet extraordinaire à Sydney. Et notamment aux barres parallèles, l'équipe chinoise. Il faut dire qu'ils ont une ligne de corps sur les placements en équilibre qui impressionne et qui leur confère un style tout à fait particulier, le style de l'école chinoise et de la morphologie type du gymnaste chinois. Sinkevich, rappelons-le aussi, il est troisième des derniers championnats d'Europe de Patras. C'était au mois d'avril de cette année. Voilà, l'enfoncement dans les épaules pour faire réagir la barre et placer la sortie en double arrière carpé. Félicité par son entraîneur. Et c'est bien normal après une jolie prestation.